journée. Le journal Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. Démarrer samedi dans la préfecture de la Kosa, les luttes traditionnelles et valant pays Kabyé se poursuivent. Après leur demi-finale hier, les lutteurs du canton de Tchitchao étaient de nouveau dans l'arène ce matin pour le compte des finales. La Cour d'assises de Lomé a ouvert la session 2019 de ses audiences ce matin. En plus de leur caractère éducatif et instructif, ces audiences contribuent au respect des droits de l'homme et à l'édification de l'état de droit. Un peu plus de 54%, c'est le taux de réussite à l'examen du bac de session de juin 2019. Les résultats ont été proclamés ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, Jacob Zuma a sommé de s'expliquer devant une commission anticorruption. L'ex-président sud-africain est soupçonné d'avoir accordé illégalement de juteux contrats publics et avantages indus à une famille d'hommes d'affaires indiens. L'avocat de M. Zuma met en cause les partialités de la commission d'enquête. Radio-Lomé.tg. Le journal des Ivala avec nos envoyés spéciaux dans la Kosa. Le canton de Tchitchao inaugure donc ce matin la phase des finales de l'édition 2019 des luttes traditionnelles en pays Kabyé. Sur le terrain cantonal, les lutteurs de la coalition Bour Fatou se sont mesurés à leurs congénères de la coalition Kibelen Haslow. Les employants de ce matin donc ont eu lieu en présence du chef de l'État, Faure Sozomna Nyasingbé. Depuis Kara et Yasmina Doku, envoyé spécial de Radio Lomé dans la région. Bour Fatou contre Kegbelen Low Azé. Deux camps adverses qui se sont croisés sur le terrain cantonal à Nyanzinda dans une ambiance de chants et danses de leurs supporters. Chaque coalition a besoin d'engranger des victoires pour marquer l'histoire. Les Evalas de Bour Fatou se montrent plus forts et très habiles. Ils dominent nettement leurs adversaires de Kegbelen Low Azé. 11 victoires contre 5. La finale à Tchitchao marque la fin des luttes dans ce canton. Pendant ce temps, le canton de Yadé se prépare pour sa finale ce mardi. La journée de ce lundi est également marquée par la danse des Evalas dans les cantons de Pia, Tcharé, Soumgina et Lassa, les préliminaires à Lama et à Kouméa, les quarts de finale à Sarakawa, puis la première demi-finale à Bouo. Yasmin Adoko, Laurent Touété, Solem Lemo, depuis Tchitchao, pour Radio Lomé. Oui, c'était donc nos envoyés spéciaux dans la région pour les luttes traditionnelles. Et puis, Yasmin Adoku, dans la tradition Kabyé, les Evalas doivent se retrouver sur un site sacré appelé Aouye avant le démarrage des luttes. C'est un lieu sacré interdit d'accès pour tous. Qu'est-ce qu'un sanctuaire pour les Evalas? Élément de réponse avec Yasmin Adoku. Aouye est un sanctuaire réservé aux initiés et à leurs aînés. Instauré sur des rochers et sous des arbres, ce lieu est un passage obligatoire pour les Evalas. Les jeunes Kabyés en âge d'être initiés d'où qu'ils viennent y accèdent. Je viens de Lomé. Quand je suis venu au début, j'avais peur. Je me suis habitué. Ça m'a beaucoup plu. Je suis Evalo, deuxième année. Moi, personnellement, je n'ai pas peur. C'est avec mes égaux que je fais ma lutte. Pour que dans notre génération, nous puissions connaître le plus fort. Selon certains sages de Tchitchao, les lieux sacrés sont destinés à accueillir les Evalas pour des cérémonies et aucun danger n'est à craindre. Il y a plusieurs sanctuaires, il y a des rochers et les Evalas vont rester là-bas. Première année arrive, tu arraches les herbes pour mettre la propriété. Bleuissement ça. En pays Kabyé, les premières années là,
on le fait la tradition, ils vont mettre l'entretien sur le lieu. Tout est clair, propre. Donc, comme c'est un lieu de sacrifice, il n'y a plus problème de serpent ni morsure de quelque chose. C'est le pourquoi on fait la tradition là, le vendredi à 0h, chez nous, dans le canton de Tchitchao toujours, que je parle comme ça. Ah oui, c'est un lieu sacré où c'est réservé spécialement aux jeunes lutteurs et ceux-là qui sont chargés de faire les cérémonies. Et il n'y a pas une femme qui monte là-bas, seulement les vieux montent là-bas. S'il y a un cas de morsure sur le lieu sacré appelé Ahoyo, c'est que l'année n'est pas bonne. Et il y a quelque chose qu'on doit voir, les fétiches, on arrange. Peut-être qu'on peut demander un chien à 4 yeux. La lutte, non, on ne l'annule pas. Mais c'est grave, sur le lieu sacré, les jeunes ne vont plus là-bas. Donc on déplace ça un peu, de l'autre côté on fait, et c'est après tout que les vieux maintenant arrangés. Les sanctuaires des Evala, bien qu'étant un héritage des aïeux, gardent toujours leur caractère sacré. Il appartient aux gardiens des us et coutumes d'œuvrer pour que ces lieux ne disparaissent jamais. C'était le journal des Evala depuis les arènes de lutte dans la Kosa. Radio Lomé. Les audiences de la Cour d'assises de Lomé ont été ouvertes depuis ce matin à la Cour d'appel de Lomé. Sur la table, un total de 64 dossiers qui seront traités durant 3 semaines. Hélène Assavi. Oui, parmi les 64 dossiers, 25 sont relatifs au trafic de drogue à haut risque, 18 à l'atteinte à la vie des personnes, 7 à la pédophilie, 7 au viol, 3 aux infractions contre les biens, 2 à la traite des personnes, 1 au prosélytisme et le dernier au détournement de deniers publics. Le procureur de la République, près la cour d'appel de Lomé, Kodjo Nyambi Garba, invite ses collègues magistrats à traiter tous ces dossiers avec rigueur afin de contribuer au respect des droits de l'homme. Si certains cas appellent à la clémence, d'autres par contre incitent à la révolte et la sanction doit le refléter. Nous invitons donc les collègues magistrats à considérer le caractère sérieux et particulier d'une cour d'assises et à ne pas la transformer en une simple formalité où on prononce des peines sans commune mesure avec la gravité des faits. Il ne s'agit pas de condamner un innocent, mais ne pas se montrer complaisant lorsque les faits sont avérés et graves, car en le faisant, on encourage, sans le savoir, la commission d'infractions. Nous ne devons pas non plus chercher à nous protéger en condamnant ceux qui ont déjà passé assez de temps en détention pour nous donner bonne conscience. Nous devons examiner le dossier de façon minutieuse et professionnelle, quitte à ce qu'on nous critique d'avoir fait passer du temps en prison à des concitoyens qui n'avaient rien à y faire. À l'issue des 3 semaines, plus de 100 accusés seront fixés sur leur sort. Le président de la Cour d'appel de Lomé, Comment Dindang, a saisi l'occasion pour remercier l'Union européenne qui a débloqué plus de 40 millions de francs CFA sur environ 54 millions de francs CFA nécessaires pour l'organisation de cette session de 2019. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, Pius Agbetome. Hélène Assabi, le rôle de la Cour d'assises est de juger les individus renvoyés devant elle en matière criminelle. Quelle est donc la particularité de ces assises? C'est toujours avec vous. Oui, la session des assises révèle la densité de la justice, lui donne son vrai sens qui est à la fois défense de la société, mais aussi des victimes. Il s'agit donc d'une formation non permanente de la Cour d'appel qui présente une originalité par sa composition comprenant des jurés populaires. Ainsi, environ 80 citoyens sont annuellement convoqués en vue de siéger comme jurés. Kodjo Nyambi Garba, procureur général près la Cour d'appel de Lomé. Les assises, c'est le moment où on examine les dossiers que nous appelons les dossiers criminels. Vous savez qu'un dossier criminel est supérieur dans l'ordre des infractions que nous classons comme contravention, délit et le plus haut, c'est les crimes. Alors, pour les crimes, on a des sessions spéciales. Et la composition aussi est spéciale parce que vous verrez avec nous, ce ne sont pas des magistrats qu'on appelle les jurés. Ça, c'est un jury populaire. L'infraction étant importante et portant atteinte à une grande société que nous sommes, il faudrait que, pour juger ces gens-là, que la société elle-même participe. Ce qui a fait qu'on introduit dans la composition de la cour les gens qu'on appelle les jurés, qui vont aussi apprécier du point de vue de celui qui n'est pas juriste, mais qui est aussi de la société, qui ressent les effets de l'infraction. Pour les crimes jugés en cas de culpabilité reconnue, la sanction peut aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité.
Hélène Assabi, permettre aux populations riveraines du parc national Fazao-Malfa-Kassa et à la biodiversité qui s'y trouve de vivre en parfaite harmonie, c'est l'objectif du projet développement durable basé sur la promotion des moyens de subsistance respectueux de la biodiversité autour du dit parc. Ce projet a été officiellement lancé ce matin à Lomé par le ministre en charge de la protection de la nature. Amara Moussa. Financé par le gouvernement indien à travers le fonds Inde-ONU pour le partenariat au développement, ce projet cible 350 familles des préfectures ayant en partage le parc Fazao-Malfa-Kassa et ambition de sortir 1500 personnes du seuil de la pauvreté par la création des emplois verts. La mise en œuvre du projet est assurée par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature en collaboration avec le bureau régional de l'UNESCO. Le lancement officiel de ce projet est intervenu 6 jours après une séance de sensibilisation et d'information qui a réuni tous les acteurs des 5 préfectures, notamment Blita, Sotoubois, Tchaoudio, Bassar et Mou à Sotoubois. L'initiative vise l'implication effective et efficiente des populations riveraines dans la mise en œuvre du projet ainsi lancé. Une dizaine de journalistes culturels peuvent désormais améliorer leur production et émission culturelle. Ils ont reçu les outils nécessaires pour leur permettre de faire vivre les événements culturels aux auditeurs et aux téléspectateurs. C'est à l'issue d'un atelier de formation au centre de recyclage et de formation en communication. Geneviève Bougnon. Comment rédiger un compte-rendu ou une critique culturelle, comment préparer ou structurer un magazine culturel? Voilà entre autres modules qui ont été développés au cours de cette formation. Il s'agit d'amener ces hommes et femmes de médias à créer l'émotion chez l'auditeur ou le téléspectateur à travers leurs écrits. Sophie Ekwe est formatrice. Un journaliste culturel, c'est celui-là qui donne envie d'écouter une musique dont il parle, celui-là qui donne envie de lire un livre dont il parle, c'est celui-là qui questionne un artiste au-delà de ce que l'artiste a produit. C'est celui-là qui pousse l'artiste à révéler ce qu'il n'a pas lui-même vu en créant son œuvre. C'est un passeur, c'est aussi un prescripteur, et puis c'est celui qui porte la plume dans les interrogations de notre monde, de notre humanité, qui dit la condition humaine que traduisent les artistes dans leur création. À l'issue de cette formation, les participants comptent améliorer leur production culturelle. Écoutons quelques-uns. Ce que j'ai retenu, c'est que pour être un bon critique, il faut avoir une certaine étoffe, c'est-à-dire pouvoir convaincre par ce que l'on dit. Ce que j'ai également retenu, c'est qu'il y a des lexiques, des mots-clés qu'on doit posséder. Lors de la formation, nous avons retenu tant de choses, à savoir le compte-rendu et la critique des œuvres littéraires, la critique de la musique et la critique également du cinéma. Les outils assez nécessaires, assez adéquats, afin de mieux travailler pour rendre nos papiers plus clairs, plus limpides et plus accessibles. Nous avons retenu ce qui fait la différence entre un compte-rendu et puis la critique d'une œuvre ou le compte-rendu d'une œuvre. Eu la chance d'avoir le lexique pour améliorer notre vocabulaire dans l'écriture de ce compte-rendu-là. La formation a duré 6 jours. 54,21%, c'est le taux de réussite au baccalauréat deuxième partie session de juin 2019. Les résultats ont été officiellement proclamés ce matin sur l'ensemble du territoire national. À Lomé, une équipe de reportage de Radio Lomé s'est rendue dans le centre d'écrit du lycée de Tocoin. Reportage Yacoub Wahabou, Gabriel Aïna. Ils sont au total 40 031 candidats dans tout le Togo au bac de session de juin 2019 à décrocher leur sésame pour l'université. Il s'agit notamment de 24 127 admis d'emblée et 15 904 admissibles. Au lycée de Tocoin, l'émotion est naturellement grande pour les désormais bacheliers. Oui, je suis admise d'emblée. C'est la grande joie. Je remercie particulièrement ma maman. Je pense faire la communication. Je suis très en joie parce que j'ai déjà laissé le kaki derrière moi. Je vais commencer une nouvelle vie au campus. Je suis tellement en joie que je n'arrive pas à exprimer tout ce que je ressens. Et je remercie sincèrement le Seigneur. Je remercie également mes professeurs qui m'ont encouragé tout au long de l'année. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile vraiment. Puisque dès le premier jour, à la sortie des épreuves. Le soir, je n'y croyais pas vraiment. Hier déjà, certains candidats ont connu leurs résultats par SMS sur les réseaux Togocel et Move. Rappelons que la session de remplacement, communément appelée session des malades, est prévue du 20 au 23 août prochain.
La date butoir de dépôt des dossiers est fixée au lundi 29 juillet 2019. Le journal Étienne Nabédé. L'ex-premier ministre bissau-guinéen Carlos Gomes Jr. a annoncé ce week-end qu'il se présenterait comme candidat sans étiquette à l'élection présidentielle du 24 novembre prochain. Cette année précisément, après avoir été renversé par un putsch avant le second tour de scrutin dont il était largement donné vainqueur. Il est le premier candidat à se déclarer publiquement, bien que le président de l'Assemblée nationale populaire Cipriano Kassama ait exprimé l'intention de se présenter, de représenter, j'allais dire, le PAIGC à l'élection présidentielle. L'heure des explications vient de sonner en Afrique du Sud. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma comparaît ce lundi devant une commission d'enquête. Il doit répondre à des témoignages accablants qui l'accusent d'avoir généralisé la corruption à la tête du pays. Sylvie Tchangaï. Depuis un an, cette commission présidée par le vice-président de la Cour constitutionnelle, Raymond Zondo, a entendu des dizaines de ministres, élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires, venus déballer au grand jour les affaires louches de l'ère Zuma. L'ancien chef de l'État sud-africain, âgé aujourd'hui de 77 ans, est notamment soupçonné d'avoir accordé illégalement de juteux contrats publics et des avantages indus à une sulfureuse famille d'hommes d'affaires indiens dont il est proche, les Gupta. Mais il a toujours nié farouchement être impliqué dans tous les scandales qui ont éclaboussé son règne. Même s'il n'a pas obtenu la liste des questions que le juge Zondo envisage de lui poser, Jacob Zuma a accepté de répondre à sa convocation non contraignante en principe jusqu'au vendredi 19 juillet prochain. Mais le doute persiste sur l'attitude qu'il adoptera à l'audience. Malgré toutes les accusations dont il fait l'objet, l'ancien président n'a toujours pas été formellement inculpé. Il n'est pour l'heure poursuivi par la justice que dans une seule affaire de pot de vin versé en marge d'un contrat d'armement signé il y a 20 ans. Droit dans ses bottes, l'ancien président a balayé toutes ses allégations d'un revers de main. Dans un courrier rendu public le mois dernier, son avocat Daniel Mancha a mis en cause l'impartialité de la commission d'enquête en l'accusant de ne chercher qu'une vérité, de vouloir piéger et humilier son client. En République centrafricaine, un rapport d'enquête parlementaire rendu public ce week-end préconise la cessation des activités minières des entreprises chinoises dans la région de Bozoum. L'enquête a été menée à la demande de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale suite à de nombreuses plaintes des populations. Les recherches devaient concerner la pollution causée par la production de l'or le long du cours d'eau de Luham. Les parlementaires dénoncent aussi la présence importante des soldats centrafricains pour la protection des mines à l'heure où la population réclame son armée. Enfin, la question des permis et des rendements est soulignée par le rapport. Les députés s'inquiètent d'une possible révolte si rien n'est mis en œuvre. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette édition. Nous vous rappelons juste que les Evala édition 2019 ont connu leur première finale ce matin. C'est dans le canton de Tchitchao où les lutteurs de la coalition Haz Law Kibelin ont croisé les lutteurs de la coalition pour Fatou. Merci de nous avoir suivis. Et prochain rendez-vous avec les formations, c'est à 14h. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg.